Le régime syrien alimente sa propagande. La télévision publique syrienne a diffusé ces images du président sur la ligne de front. Tout sourire, il joue la proximité avec les combattants de son armée. Bachar el-Assad se trouvait donc ce dimanche sur le terrain dans les environs de Damas, dans le secteur de la Ghouta orientale. Une visite rare, la première en tout cas depuis plusieurs mois. Un message de confiance adressé à ses partisans. Le boucher de Damas a notamment rompu le jeûne du Ramadan aux côtés de soldats sur la base aérienne de Marj al-Sultan, un aérodrome repris aux forces de l'opposition en décembre dernier. La diplomatie, elle, reste dans l'impasse depuis la suspension des négociations de Genève en avril. À Moscou, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu une figure de l'opposition modérée syrienne, Ahmad Jarba, ancien président de la coalition nationale syrienne.